1958, le général de Gaulle est acclamé par la foule en Algérie. Des émeutes et une manifestation de colons français viennent de le ramener au pouvoir. Irrité par le succès de l'URSS qui a mis sur orbite le Spoutnik, le tout premier satellite du monde, les savants américains s'apprêtent eux aussi à lancer leur explorer dans l'espace. Pour la plupart des Américains, le président Eisenhower a apporté une prospérité et une espérance sans précédent aux États-Unis. Les fans d'Elvis Presley sont attristés de voir leur idole partir pour le service militaire. Il se passe des choses bizarres dans Belmont Avenue, une route bordée d'habitations modestes à la sortie de Lincoln, capitale du Nebraska. Le 25 janvier 1958, cela fait plusieurs jours que personne n'a vu la famille Bartlett qui habite au 924. Il y a un mot sur la porte. N'entrez pas, toute la famille a la grippe. Des proches viennent aux nouvelles, mais Caryl, âgé de 14 ans, leur crie de s'en aller. Ceux-ci appellent la police qui se rend sur place. Caryl explique que toute la famille est malade et on la croit. Deux jours plus tard, la grand-mère de Caryl revient. Mais cette fois, elle n'obtient aucune réponse du tout et décide qu'il faut forcer la porte. On défonce enfin la porte. À l'intérieur de la maison, il y a trois cadavres. Celui de Marion Bartlett, le beau-père de Caryl, âgé de 57 ans, gardien de nuit. Celui de Velda, sa femme, de 20 ans plus jeune que lui, qui a divorcé du père de Caryl 4 ans auparavant pour épouser Marion. Et surtout, découverte horrible, le cadavre de leur fillette de 2 ans, Betty Jean, poignardée et battue à mort. La police apprend que Charlie Starkweather, le petit ami de Caryl, est venu voir la famille il y a quelques jours. Il a très mauvaise réputation. Il a 17 ans et se prend pour un révolté à la James Dean. Il est fasciné par les armes à feu et les criminels. Ses parents ont trop à faire avec leurs 8 enfants et Charlie a mal tourné. Son passe-temps favori consiste à voler des voitures qu'il conduit à toute allure sur cette piste. Le 21 janvier, Charlie s'est rendu chez Caryl avec un fusil, apparemment pour aller chasser le lapin avec le père de sa petite amie. La police lance un avis de recherche concernant Charlie Starkweather. Des battues sont organisées pour retrouver le corps de Caryl, mais en vain. Enfin, on signale avoir vu Caryl avec Charlie dans la voiture de ce dernier. Il roulait vers le sud, sur la route nationale 2, vers le village de Bennett. A-t-elle été kidnappée? Est-elle complice? Ou s'agit-il d'une gamine qui se contente d'obéir à son petit ami? Ils échouent à Bennett le 27 janvier. Leur voiture s'est embourbée. Ils font à pied le reste du chemin jusque chez Auguste Meyer, un ami de la famille Starkweather. Là, Charlie abat Auguste Meyer et vole une centaine de dollars, un autre fusil et des vêtements. Quand la police arrive à la ferme, le couple est parti depuis longtemps. On retrouve le corps du vieux Meyer dans le lavoir, recouvert d'une couverture. Il a été tué à bout portant d'une balle en pleine tête. Les habitants du hameau se réunissent alors pour une chasse à l'homme. Mais le jeune couple est reparti vers Lincoln, à bord d'une voiture dont Charlie s'est emparé après avoir fait du stop. Les corps du conducteur et de sa fiancée sont retrouvés criblés de balles dans un ancien caveau. L'un des cadavres est celui de Robert Jensen, âgé de 17 ans et encore lycéen. Il gît au bas des marches du caveau avec 6 balles dans la nuque et derrière l'oreille gauche. L'autre est celui de Carol King, 16 ans, dont le corps à demi-nu recouvre celui de Robert. Elle a été tuée par balle et poignardée. Pendant que la police fouille la région, Charlie et Caryl reviennent à Lincoln pour vérifier si les corps de la famille Bartlett ont été découverts. Charlie aperçoit la police devant la maison et continue jusqu'à l'une des plus importantes demeures de la ville, dans la 24e rue. Il se cache à l'intérieur pour attendre le propriétaire,
Lower Ward. Quand celui-ci rentre, Charlie l'assassine. Clara Ward essaie de téléphoner à la police, mais Charlie la poignarde dans le dos avec son couteau de chasse. C'est ensuite la bonne, Lillian Fenk, qui est ligotée et poignardée à mort. La découverte des trois nouveaux corps sème la panique. Lincoln est bouclé pour une fouille maison par maison. Les magasins d'armement sont dévalisés et une récompense de $1000 est offerte. Le shérif lance un appel pour la capture de Charles Starkweather. Nos fouilles ont permis de découvrir trois nouveaux corps, ce qui fait 9 en tout, pour autant que nous sachions. Nous avons lancé un appel à tous les comtés voisins, y compris à Omaha, pour qu'ils envoient tous les renforts possibles ici, à Lincoln. Nous pensons que le véhicule est encore dans les parages. Nous savons qu'il y est depuis 3 jours et nous comptons fouiller Lincoln maison par maison. Pendant ce temps, au volant de la Packard des Ward, Charlie et Caryl roulent vers le Wyoming et les Badlands. Des vigiles armés protègent la sortie des écoles à Lincoln. Mais la terreur se propage rapidement à travers les grandes plaines et les montagnes rocheuses. On ignore où frappera l'adolescent meurtrier la prochaine fois. La garde nationale est appelée. On installe des barrages routiers et chacun se barricade chez soi. Les habitants s'organisent en équipe de surveillance et fouillent tous les endroits possibles jour et nuit. Alors qu'il vient de quitter le Nebraska, Charlie entend à la radio que la police recherche la Packard qu'il conduit. Merle Collison a eu la malencontreuse idée de faire la sieste dans sa Buick le long de la route numéro 20. Charlie lui ordonne de quitter son véhicule et comme il refuse, l'adolescent lui tire dessus à travers le pare-brise. Au moment où Collison ouvre la portière, il est tué de 7 autres balles. Mais Charlie n'arrive pas à faire démarrer la voiture. Le frein à main est bloqué. Soudain, une voiture de police s'arrête. Charlie saute dans la puissante Packard et s'enfuit seul. Il traverse la ville de Douglas à 190 km à l'heure, les voitures de police à ses trousses. Caryl, qui l'a abandonné, demande secours à la police. Finalement, des balles pulvérisent une des vitres de la Packard. Blessé à l'oreille par des éclats de verre, Charlie s'arrête. La police doit tirer plusieurs coups de semonce au sol devant Charlie avant qu'il ne se rende. À la grande joie de la presse qui a suivi la poursuite, Charles Starkweather est enfin incarcéré après 10 assassinats en 8 jours. Charlie avoue 8 meurtres, prétextant qu'il s'agissait de légitime défense. Il reconnaît avoir tué les membres de la famille de Caryl et explique que ceux-ci l'ont accusé d'avoir mis Caryl enceinte. La dispute a mal tourné, le beau-père de Caryl a attaqué Charlie avec un marteau et Charlie l'a tué. Puis Velda s'est précipité sur lui avec un couteau. Charlie lui a d'abord tiré dessus, puis il l'a frappé avec la crosse du fusil alors qu'elle s'écroulait. Le bébé pleurait, il lui a alors lancé un couteau de cuisine pour la faire taire. Puis il l'a achevé d'un coup sur la tête et il a poignardé le père plusieurs fois pour être sûr qu'il était bien mort. Charlie reconnaît avoir commis un autre meurtre 2 mois auparavant qui avait mis la police en défaut. Celui de Robert Colvert, gérant de la station d'essence. Charlie a volé la caisse qui contenait un peu plus de $100. Puis il a conduit Colvert dans un endroit isolé où il l'a abattu d'un coup de fusil. Le 29 janvier, Charlie Starkweather est inculpé du meurtre de Merle Collison dans l'état du Wyoming, mais le gouverneur est plus que satisfait de l'extrader au Nebraska. Le procès n'aura jamais lieu. Durant son incarcération, Charlie écrit sur le mur de sa cellule que Caryl a tué 2 femmes, mais la jeune fille dément, protestant qu'elle n'est que l'une des victimes de Starkweather. Caryl affirme que Charlie l'a forcé à l'aider. Il aurait prétendu détenir en otage sa mère et son père. Pour preuve, elle rappelle que lorsqu'ils ont été pris, elle a couru vers l'adjoint au shérif en criant « Emmenez-moi à la police ». Mais la police du Nebraska est persuadée que Caryl est la complice consentante de Charlie et non pas une innocente victime. On décide de les juger tous les deux pour meurtre au premier degré. Ils choisissent d'être jugés séparément. Le procès de Charlie pour le meurtre de Robert Jensen s'ouvre à Lincoln le 5 mai 1958. L'argument de la légitime défense est sérieusement ébranlé par le fait que toutes les balles ont été tirées dans le dos de la victime.
La défense appelle à la barre trois psychiatres, mais aucun d'eux n'est en mesure d'affirmer que Charlie Starkweather est juridiquement en état de démence. Parmi certains jeunes de sa génération, Charlie est vénéré comme un héros. Comme il l'avait espéré, on le considère comme un nouveau James Dean, un adolescent rebelle incompris. Les jurés, quant à eux, ont une autre optique. Et le 23 mai, ils le déclarent coupable. Charlie est condamné à mort. À présent, on encourage Charlie à témoigner contre Caryl. Charlie prétend que c'est Caryl qui l'a poussé à tuer ses parents. Après les meurtres, pendant qu'il nettoyait, elle regardait la télévision. Il ne l'a jamais attachée et ils sont restés dans la maison pendant 5 jours. Après leur panne de voiture, Caryl l'a aidé de bon cœur à dévaliser la maison d'Auguste Meyer. Et quand ils se sont emparés de la voiture de Robert Johnson, c'est Caryl qui a vidé le portefeuille du jeune lycéen. C'est du moins la version de Charlie. Il l'accuse aussi d'avoir attaqué Carole King par jalousie. Elle aurait cru à un moment que Charlie avait des rapports sexuels avec elle. Elle aurait donc poignardé la jeune fille et lui aurait tiré dessus pendant qu'il était parti dégager leur voiture. Chez les Ward, c'est Caryl qui aurait rempli une valise avec les vêtements volés. Elle aurait poignardé Clara Ward et vaporisé du parfum pour masquer l'odeur du sang. Puis, elle aurait assassiné la bonne, Lillian Fink. Caryl dément ses accusations, répétant que tout ce qu'elle a fait, c'était avertir Charlie quand M. Ward est rentré. Charlie aurait emmené celui-ci à la cave pour le tuer, et c'est Charlie qui aurait tué aussi les deux femmes. Quant à Charlie, il répète que lorsqu'il est parti, la bonne était encore vivante et qu'il n'a frappé Mme Ward que d'un seul coup de couteau. Face à ce rebondissement, les avocats de Caryl décident d'utiliser le dernier recours de leur cliente, le charme de sa jeunesse. Âgée de 15 ans à peine, Caryl serait la plus jeune inculpée jugée pour meurtre au premier degré aux États-Unis. Son interview sur une chaîne de télévision locale doit constituer un extraordinaire prélude à un procès peu ordinaire. Mais son passage à la télévision n'a pas l'effet escompté par ses avocats. La police lui a fait couper sa queue de cheval. Elle est vêtue non pas de jeans, mais d'un chemisier ajusté et d'une jupe longue qui la font paraître de 10 ans plus âgée. Sa nervosité lui donne un air dur et rusé, tandis qu'elle répond aux questions d'un journaliste. Pourquoi pensez-vous qu'il veuille vous impliquer dans cette affaire si vous n'avez rien à voir là-dedans? Pourquoi veut-il vous mettre en cause? Ben maintenant, je suis sûre qu'il ne peut plus me voir, puisqu'il s'est tiré et qu'il fait tout pour faire croire que je suis aussi coupable que lui. Cela faisait-il longtemps que vous sortiez avec lui? Oui, on est sortis ensemble un an avant. Et puis je lui ai dit que je ne voulais plus le voir, mais il est revenu. Et jusqu'à ce dimanche-là, je sortais avec lui et puis j'arrêtais pas de lui dire de s'en aller. Et ce dimanche-là, je lui ai dit de s'en aller. Je lui ai dit va-t'en et je lui ai dit je veux plus jamais te revoir. Qu'est-ce qui a provoqué votre décision de ne plus sortir avec lui? Il est complètement dingue. Vous le croyez encore? Oh, ça oui. Mais beaucoup de téléspectateurs doutent que Caryl ait éprouvé ces mêmes sentiments durant la semaine de leur cavale. Vous est-il arrivé de craquer et de pleurer, de supplier Charlie de vous laisser partir? Oui, j'ai pleuré tout du long. Et lui ne voulait pas vous laisser sortir de la voiture? Chacun se demande quelle pourrait être l'issue d'un procès. Par exemple, avez-vous pensé que si vous étiez condamné, vous pourriez aller en prison ou que vous risquiez la chaise électrique? Avez-vous songé à cela? Oui, j'y ai bien pensé, mais je ne pense pas que j'ai à me faire du souci. Après tout, je suis innocente. Je le sais, les autres gens qui sont dans le coup savent que je suis innocente. Les parents de Robert Johnson, l'une des victimes, sont parmi les spectateurs. Ce qui m'a le plus frappé chez elle à ce moment-là, et encore maintenant, c'était ses yeux, ce regard très dur et insensible qu'elle avait. Le mari de Mme Johnson a la même impression. Jamais je n'avais vu quelqu'un d'aussi provocant, rien que son attitude. Je ne pense pas qu'elle se serait arrêtée si elle avait pu s'enfuir. Je pense qu'elle s'en fichait. En tout cas, elle n'a montré aucun remords ou chose comme cela. Le procès de Caryl Fugate, inculpé de complicité de meurtre et de vol, s'ouvre le 27 octobre.
Des années plus tard, elle se souvient de sa confusion. Pendant toute la durée du procès, je ne me suis pas vraiment rendu compte de ce qui se passait. Les témoins se succèdent à la barre et affirment qu'elle a participé au meurtre avec Starkweather. De plus, la presse lui est hostile. Le jury lui-même, composé de 5 femmes et de 7 hommes, n'est pas non plus vraiment neutre. L'un d'eux se souviendra plus tard que la veille du procès, il a parié 1 $ avec un ami qu'elle écoperait de la chaise électrique. L'un d'eux, je ne sais plus lequel, le procureur ou la défense, l'un d'eux a dit qu'elle pourrait s'asseoir sur les genoux de Charlie. Comme ça, on ferait d'une pierre 2 coups. On a fait sortir Charlie Starkweather du quartier des condamnés à mort pour qu'il témoigne. Ça m'est bien égal qu'elle vive ou qu'elle meure, dit-il en haussant les épaules. Néanmoins, il témoigne qu'elle a menacé de faire sauter la cervelle de sa mère, qu'elle n'a pas manqué d'occasion de partir si elle en avait eu envie, qu'elle a tenu Carol King en joue et que c'est elle qui a pris l'argent de Robert Jensen. L'avocat de Carol rétorque que c'était une petite fille effrayée qui a été témoin à plusieurs reprises de ce qui arrivait aux gens qui défiaient Charlie Starkweather. Les délibérations du jury durent 24 heures. Pendant ce temps, Carol attend avec le reste de sa famille qui n'a cessé d'être à ses côtés depuis son arrestation. Le jury décide tout d'abord qu'il ne faut pas la faire exécuter. On a un peu pitié d'elle. Mais il n'empêche que les jurés doivent tenir compte des faits. Elle était coupable, mais on ne nous a pas demandé pourquoi. Le jury la déclare coupable de meurtre au cours de l'exécution d'un cambriolage. Or, dans le Nebraska, c'est le jury qui décide de la peine, car il est condamné à la réclusion à perpétuité. En apprenant le verdict, elle s'écrie « Non, j'aime mieux être exécutée ». Y a-t-il une raison pour que la peine ne soit pas prononcée maintenant ? Lui demande le juge Harry Spencer. Oui, répond-elle, je ne suis pas coupable. Le juge déclare, vous êtes condamné à la réclusion à perpétuité dans la prison de York et à payer les frais de justice. À sa peine s'ajoute une punition supplémentaire de 222 jours d'isolement. Comme elle n'a que 15 ans, elle ne peut légalement être enfermée avec les autres détenus. Elle doit donc passer ses 8 premiers mois de détention toute seule. Il y avait des jours où j'en pleurais, à force d'être toute seule. Vous comprenez, sans jamais personne d'autre. Ou bien je m'asseyais près de la fenêtre parce qu'elle donnait sur les grilles. Et je me disais, on va venir me chercher, on va venir me trouver. Ils savent bien que je n'ai rien fait. Et j'attendais, et je regardais par la fenêtre. Et chaque fois que je voyais une voiture arriver, j'avais l'impression que mon cœur s'arrêtait. J'étais assise comme ça, à regarder tout le temps dehors, à regarder, vous comprenez, et à pleurer. Et puis finalement, je crois que le jour où j'ai commencé à comprendre que je n'allais pas partir, que c'était pour toujours, c'était le jour où ils ont pris mes empreintes et fait ma photo pour le trombino. Là, je me suis dit, vraiment, c'est fichu, ma vieille. T'es coincée ici pour de bon. T'es pas prête de sortir. Je crois que c'est ce jour-là que j'ai commencé à comprendre, à me faire à l'idée que j'allais rester ici. Et ce jour-là, j'ai vraiment pleuré tout ce que je savais. Charlie Starkweather, quant à lui, se bat pour avoir la vie sauve. On lui a fait croire qu'en aidant à inculper Carol, il obtiendrait un sursis. Son espoir allait être déçu. En avril 1959, il renvoie son avocat et se défend lui-même à l'audience de recours en grâce, prétextant qu'il a découvert Dieu. Cela lui permet d'obtenir un court sursis, mais le 24 juin, il meurt sur la chaise électrique. À la prison de York, Carol est confronté à des conditions rigoureuses. Interdiction de parler sauf pendant les repas et la récréation. Maquillage et transistor sont interdits. À la fin des années 50, la réhabilitation n'est pas encore entrée dans les mœurs. Les détenus peuvent suivre des cours, mais de 45 minutes seulement, et pas plus de 3 fois par semaine. Il faut donc 10 ans à Carol pour achever ses études secondaires. Le seul professeur de la prison s'appelle Madame Iris Sadoris. Bon gré, mal gré, j'essayais simplement de l'inciter à baisser la voix, à avoir une démarche plus gracieuse.
J'essayais de lui montrer des choses qui pouvaient l'aider, parce que je n'avais pas la moindre idée qu'elle resterait avec nous aussi longtemps. C'est bien là le problème qui commence à tracasser de plus en plus de gens au fur et à mesure que Caryl accomplit sa peine. Quelle que soit l'horreur du crime dont elle s'est rendue coupable, elle était très jeune et influençable. Les conditions de détention à York ne permettent même pas de la préparer à une libération éventuelle. Les détenus sont réveillés à 5h45, la nourriture est souvent immangeable. Leurs vêtements sont inélégants, mal ajustés, rarement lavés et sentent fortement l'eau de Javel. Dans la journée, les prisonnières n'ont pas le droit de s'étendre sur leur lit. Si elles ne se sentent pas bien, elles n'ont que le sol en ciment pour s'allonger jusqu'au soir. Celles qui ne respectent pas le règlement sont enfermées en cellule pendant des semaines, avec pour tout repas du thé et du pain. Les détenus n'ont même pas le droit de sourire. Au fil des années, la prisonnière de 15 ans mûrit et l'opinion sur le rôle des prisons commence à évoluer. Huit ans se passent avant qu'elle ne sorte de sa prison. C'est pour se rendre à l'examen judiciaire de son cas. On lui refuse un nouveau procès. En 1970, c'est déjà la plus ancienne occupante de la prison, gardienne et détenue confondue. Les conditions s'améliorent peu à peu, mais Caryl se sent toujours désespérée. C'est comme ça. On se sent pour toujours condamné à rester dans un pénitencier. Mais en 1971, les autorités commencent à envisager une libération éventuelle. Une nouvelle réforme pénitentiaire autorise désormais les détenus ayant un régime de faveur à sortir. Caryl devient une habituée du bowling de York, mais elle ne peut toujours pas travailler en ville. Elle est ravie quand la municipalité autorise l'accès à la nouvelle piscine couverte où elle va nager une fois par semaine. Je ne peux pas vraiment me promener dans la rue en liberté, mais enfin, ils veulent bien me laisser au moins venir un petit peu et faire partie de leur communauté. Puis elle est autorisée à travailler à la crèche de l'église locale. Certaines mères émettent des réserves. Soudain, j'entends dire Caryl. J'étais sidérée parce qu'on habitait là à l'époque où ça s'est passé et quand on l'a enfermée. Je me rappelle que j'avais barricadé ma porte parce que mes enfants, mes aînés, étaient alors tout petits. Mais la confiance des autorités semble justifiée. Caryl a toujours été une prisonnière modèle et le nouveau gouverneur de la prison, M. Exxon, semble croire à l'éventualité de sa réhabilitation. Je suis persuadé que bientôt, peut-être même très bientôt, nous allons pouvoir rendre Caryl à la société. Et nous pensons qu'il lui sera donné la possibilité de devenir un membre vraiment utile de notre communauté. Il existe néanmoins tout un courant au Nebraska qui s'oppose vigoureusement à cette libération, quels que soient les remords que Caryl exprime pour ce qui s'est passé. J'aimerais tellement qu'il y ait quelque chose que je puisse faire. Je voudrais avoir un mot magique. Je ne sais pas, une phrase magique ou un truc qui puisse faire revenir les gens. Je regrette tellement ce qui s'est passé. Le 20 juin 1976, Caryl est enfin libérée sous condition. Elle continue à protester de son innocence et passe au détecteur de mensonges en 1983. Les résultats suggèrent qu'elle a dit la vérité. Mais le jour suivant, un sondage révèle qu'une majorité de gens au Nebraska sont toujours convaincus qu'elle a accompagné de son plein gré Charlie Starkweather au cours de son hécatombe.